Déclaration des députés. La députée de Beaches East York. Merci, je suis ravi de partager une histoire très belle de ma circonscription. L'histoire d'une équipe de football qui n'était pas censée de remporter la victoire, mais qui l'a remportée quand même. Leur école fait face à des défis. Donc, un grand nombre de ses élèves vivent en pauvreté. Jason Cooter, enseignant, a décidé d'organiser des matchs de football le matin avant les cours. Il y avait 11 élèves qui s'y sont intéressés. Les matchs ne duraient que 10 minutes par jour avant le début des cours le matin. Le dernier lundi, l'équipe a participé à un tournoi qui comprenait des équipes de partout de la ville de Toronto. Et finalement, il semblait que l'équipe allait perdre son match. Mais finalement, lors de la deuxième moitié du jeu, ils ont forcé le temps supplémentaire et finalement ont remporté le tournoi. C'est la première fois au cours de l'histoire de cette école où cette école a remporté une telle victoire. Félicitations à cette équipe qui est une source de fierté pour notre communauté. Il n'y a rien que ces enfants ne peuvent pas faire. Nous devons en être très fiers. Déclaration des députés, le député de York Centre. Merci, Monsieur le Président. Mise en place il y a une année, le projet pilote de la rue King a été très difficile pour les entreprises de cette rue. La circulation sur les rues avoisinantes est devenue intolérable. Ce projet entraîne de l'embouteillage des routes. King Street est renommée pour ses excellents restos, mais depuis le début du projet, 11 restaurants ont dû fermer leurs portes. Les policiers font appliquer des règles dont personne n'est au courant. Et donc, quel en est le résultat? Une réduction de 4 minutes de la navette. Et ils ont l'audacité d'en être fiers. C'est nuisible aux entreprises de la rue King, et donc des mesures ont été adoptées par le conseil municipal pour subventionner ces entreprises aux frais des contribuables. Cette logique libérale de nuire à l'emploi, de nuire aux entreprises avec les règlements et ensuite les subventionner, n'a aucun bon sens. Ça suffit. Le conseil municipal votera bientôt sur cet enjeu. Donc, je demande aux conseillers municipaux de s'opposer à ce projet. Et sinon, ouvrez une voie ou permettez la circulation hors de l'heure de pointe. Ceci nous permettra de protéger ces restaurants et de restaurer le bon sens au centre-ville de Toronto. La députée de Scarborough Sud-Ouest. La semaine dernière, on a vu le lancement du réseau de la santé de Scarborough. C'est le nouveau nom du seul hôpital de soins aigus qui est le fruit de la fusion de deux autres hôpitaux. Cette fusion s'est produite en 2016. C'est donc le troisième hôpital au Canada qui engage 5 000 personnes, mais c'est l'un des hôpitaux les plus sous-financés de la province. Les salles d'opération sont parmi les plus vieilles en exploitation en Ontario. Elles ont été ouvertes en 1956. En 2015, un panel d'experts a recommandé une série de projets, mais il n'y a eu aucune réaction de la part des libéraux. Mais juste avant les élections, en fait, ils ont réagi. J'ai assisté donc à cette inauguration et j'avais l'impression que ce gouvernement était censé venir en aide aux hôpitaux. Mais les résidents de Scarborough entendent la même chose. Il y a beaucoup de platitudes, mais aucun engagement. Un engagement est nécessaire pour financer ces salles d'opération et pour financer les urgences. Pendant des décennies, des gouvernements conservateurs et libéraux ont su financer la santé à Scarborough. Le moment est venu d'investir dans la santé à Scarborough pour que le nouveau réseau de la santé de Scarborough
puisse répondre aux besoins de la population. Déclaration des députés, le député de Northumberland-Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole. À la suite des élections municipales, je tiens à remercier tous les gens qui se sont présentés comme candidats. Et je voudrais remercier certaines maires sortants qui ont servi nos collectivités avec dignité et ont favorisé l'essor de ma région. Donc, je remercie Mark Wallace, maire sortant de Brighton, Mark Coombs de Grammy, Terry Lowe d'Aspidal Norwood, Gil Bruckenier de la ville de Cobourg, Dave Nelson, et finalement, Mark Loveshin du comté Hamilton, qui est également le préfet sortant. Merci de votre dévouement au service public. Vous nous manquerez. Merci de votre service. Déclaration des députés, la députée de University Rosedale. Monsieur le Président, l'énoncé économique de l'automne a apporté une compression de plus d'un milliard de dollars au réseau du transport, mais le gouvernement n'a pas été honnête concernant son plan en matière de transport. Voici ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas quels projets seront coupés. Est-ce que le TRL Huron sera bâti? Est-ce que Toronto aura sa ligne d'allègement? Le gouvernement va-t-il offrir un service bidirectionnel à la région de Waterloo? Est-ce que Kingston aura les traversiers promis? À plusieurs reprises, j'ai posé des questions concernant ces projets, mais le gouvernement ne nous a pas même donné un oui ou un non. Et donc, nous sommes dans l'obscurité et nous nous posons la question quels projets seront coupés. Mais nous savons que le gouvernement fait progresser son plan pour attaquer la CTT. Nous avons besoin de plus de services fiables. Nous ne devons pas privatiser le réseau. Les navettes seront plus longues et plus coûteuses. Les experts et les militants en matière de transport se mobilisent pour arrêter les attaques du gouvernement. Je les remercie de leur travail. Je suis fier de dire que demain matin, je serai à la station Queen's Park dans le cadre de leurs efforts pour sensibiliser les navetteurs aux effets dévastateurs de ces changements à la TTC. Merci. Déclaration des députés. Le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole et de remercier les gens de Guelph qui protègent l'eau. Et je voudrais également remercier ceux qui protègent l'eau à Wellington Hilton Hills. Je voudrais remercier ceux qui font ces activités pour protéger nos sources d'eau. Vous faites un excellent travail pour notre communauté. L'eau, c'est notre ressource la plus précieuse. Le gouvernement a comme responsabilité de protéger l'eau. Je remercie la ville de Guelph, le maire, les conseillers municipaux et le personnel de la ville. Guelph a fait quelque chose d'exceptionnel. Notre consommation d'eau est en déclin malgré le fait que notre population est à la hausse. Ceci épargne de l'eau, mais c'est aussi une façon de réaliser des économies car les infrastructures ne sont pas nécessaires. Guelph dépend de l'eau, des eaux souterraines. En été, il y a toujours des limitations en matière de consommation d'eau en raison des sécheresses. Je vais déposer un projet de loi de député. Je tiens à remercier plusieurs des députés de cette Assemblée qui m'ont donné leur rétroaction concernant ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés. Merci. Déclaration des députés, le député de Don Valley Nord. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole avec une excellente nouvelle pour ma circonscription de Don Valley Nord. Plus tôt ce mois, un médecin de l'hôpital North York
a reçu un prix pour le meilleur omnipraticien de l'année. Ce prix reconnaît d'excellentes recherches, le leadership et l'aptitude en matière d'enseignement. Un diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Toronto, la Dr. Klein, a récemment terminé sa résidence à North York General. Elle a mis en place le programme scolaire de bien-être pour nouveaux médecins de cet hôpital. Elle a reçu plusieurs prix pour son travail. J'ai eu le plaisir de la rencontrer vendredi dernier dans mon bureau de circonscription à Don Valley Nord. C'est une personne exceptionnelle. Je remercie la Dr. Klein de son service. Don Valley Nord est très chanceuse d'avoir un si excellent membre de la communauté. Le député de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Le 13 novembre, 150 résidents de ma circonscription et de York Southwestern étaient allés à une réunion d'hôtel de ville pour mettre en évidence le fait qu'ils sont outrés par les primes d'assurance exorbitantes. Toutes les personnes ont le même avis. Les excellents conducteurs paient plus pour l'assurance en raison de leurs codes postaux. Cette pratique doit être arrêtée. Nous avons entendu parler d'un projet de loi des députés néo-démocrates qui verrait le Grand Toronto comme un seul code postal. Mais finalement, ces personnes étaient en colère lorsqu'elles ont appris que le gouvernement s'est opposé à ces mesures. Et pourquoi? Car le gouvernement est dirigé par les sociétés, par exemple les sociétés d'assurance, plutôt que par l'électorat. Plutôt de s'attaquer à la discrimination fondée sur les codes postaux, les conservateurs créent des échappatoires importantes. Plusieurs avocats ont dénoncé cette pratique. Quand est-ce que le gouvernement passera en premier les intérêts des Ontariens? Je suis fier de continuer de me battre pour un meilleur système d'assurance. Toutes les collectivités de la province le méritent mieux. Déclaration des députés, la députée de Kitchener-Sud-Hespeler. Je prends la parole aujourd'hui car je veux vous expliquer comment notre gouvernement pour la population mettre un terme à la médecine de couloir. À St. Luke's Place, situé à Hespeler, il y aura 18 nouveaux lits de transition. PDG Stacy Barton m'a informé que les trois premiers résidents s'y sont installés la semaine dernière. St. Luke's Place est un excellent partenaire communautaire. Elle cherchait des façons d'alléger le fardeau sur le système préalablement à la saison grippale. Elle a étudié le plan du ministère de la Santé et ensuite elle voulait en faire partie. Cette nouvelle unité a été conçue pour des patients qui ne devraient plus être dans un hôpital et qui devraient plutôt être dans un foyer de soins de longue durée. Le ratio de personnel aux patients est plus élevé que dans les hôpitaux et ce sont des lits communautaires à St. Luke's Place, donc il n'y a pas de coût pour les familles. Il y aura des activités de loisirs et les repas seront servis dans une salle à manger. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis de parler de nos efforts pour mettre un terme à la médecine du couloir. Déclaration des députés. Le député de Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. La circonscription de Streetsville abrite Pill Hill, un regroupement scientifique. Le 23 novembre, j'ai eu l'occasion d'apprendre davantage sur les services fournis par ce secteur. Ce secteur
est un moteur économique de la circonscription de Mississauga-Streetsville, là où il y a plus de 400 entreprises qui emploient 50 000 personnes du Grand Toronto. Ces entreprises ont investi des centaines de millions de dollars dans les économies locales, des milliards de dollars dans l'économie provinciale, ainsi que dans l'innovation. Monsieur le Président, nous sommes heureux de rencontrer Gladco, Smith Ping, Norodes et Rush Canada. Toutes ces entreprises ont fait des investissements dans notre économie et dépensent des centaines de millions de dollars pour des nouvelles exploitations de fabrication et pour la formation. En outre, elles ont contribué des millions de dollars en impôts. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec ces sociétés alors qu'elles prennent de l'ampleur à l'échelle de la province. Notre province est ouverte aux affaires et créera l'environnement dont ces entreprises ont besoin pour être couronnées de succès. Je souhaite la bienvenue à Ryan Locke de GSK, Veronica Carlson de Novo, Nordesk et Lauren Hertzen de Roche Canada. Merci d'être venu à Queen's Park. Le temps pour les déclarations des députés est écoulé. Rapport des comités.